À présent, je vais présenter une petite plante aussi très intéressante. Il s'agit de Triomphetta rhomboïdée, que vous voyez là sous mes pieds. Triomphetta rhomboïdée est une plante qu'on peut trouver un peu partout en Afrique intertropicale, hein. C'est assez répandu et il est bon de pouvoir la reconnaître. Disons tout de suite que c'est une plante dont la hauteur, c'est une plante herbacée, généralement annuelle, hein, mais quand les conditions d'humidité sont réunies, on peut l'avoir aussi tout aussi bien tout au long de l'année. Et bien là, on a une hauteur de combien? 43 cm quoi, de haut. Mais on a donné jusqu'à 60 cm de haut. On va la reconnaître généralement grâce d'abord à sa silhouette, hein, un peu trapue, hein, et surtout à sa. À son odeur. C'est une plante aromatique dont les feuilles sentent assez bon d'ailleurs, hein. C'est une plante aromatique. Donc quand vous écrasez un tout petit peu les feuilles et que vous sentez, hein, vous voyez qu'il y a une certaine odeur qui est légèrement parfumée. Donc c'est une plante aromatique. Et la tige, elle est là, assez trapue. Avec des poils, hein, c'est pubescent. Hein. Il y a des poils aussi bien sur la tige. Sur les feuilles. Hein. En français, cette plante, on l'appelle la plante à panier. La plante à panier. En anglais, on dit burweed. Burweed. Quand on la regarde, on va voir que eh bien, les petites branches vont partir depuis la base. Hein. On ne va pas dire que ça va se ramifier, mais en tout cas, il y a les branches secondaires qui vont sortir assez rapidement. La plante va avoir des feuilles qui sont des feuilles de type, on peut voir ici, hein, de type alterne, hein, avec des pétioles assez longs. Voilà une feuille ici, une feuille là, une feuille là, une feuille là. Elles ne sont pas du tout opposées, elles sont alternes. Maintenant, quand on regarde ici même les jeunes tiges, on voit il y a des poils là-dessus, c'est pubescent. Hein. Tout est pubescent également dans cette plante, hein, jusqu'aux fruits en fait, aux fleurs. Et on regarde le pétiole qui est d'une couleur, disons, légèrement violacée, là, tandis que la tige elle-même, elle a un mélange de vert et de violet. Plus elle est jeune, plus elle va être violacée. Hein, mais quand elle est un peu âgée, on voit c'est le vert qui domine, hein, comme on peut voir ici, la partie verdâtre domine. Et donc le pétiole de la feuille, on la mesure ici à combien pour cette feuille pleinement développée? De 2 cm de pétiole. La feuille, quand vous regardez sa forme, hein, c'est une forme légèrement trilobée, mais il y a des feuilles aussi qui sont tout simples. Il y a pas de, on ne distingue pas bien les lobes, mais là on voit un lobe de 3. Donc c'est souvent trilobé quand même. On peut regarder aussi cette autre feuille, c'est trilobé. Cette autre feuille, c'est trilobé. On va prendre cette feuille pleinement développée. Disons, la face supérieure, on voit, elle est d'un vert un peu plus foncé que la face inférieure. Et si vous regardez à la lumière du soleil, vous voyez, c'est des poils quasiment dressés là. On voit hein, sous forme, avec une coloration un peu argentée, mais c'est très fin. Hein. Donc il y a des poils aussi bien en haut qu'en bas de la feuille. Les nervures sont assez visibles aussi. Hein. Il n'y a pas beaucoup de nervures secondaires. En fait, il y a 2 ou 3 paires. On peut les voir deux nettement ici. 1, 2, 3 paires de nervures secondaires. Tandis qu'il y a un réseau d'innervation beaucoup plus dense au niveau tertiaire. Quand on regarde les dimensions de la feuille, hein, de la partie la plus large d'un bout à l'autre, on a 6 cm environ, hein, tandis que la longueur va faire aussi environ 6 cm, en mesurant le long de la nervure principale. Quand cette plante va continuer sa croissance végétative, eh bien, qu'est-ce qu'on va apparaître? On va apparaître des fleurs, des petites fleurs, à l'extrémité des rameaux qui apparaissent souvent groupés, donc on voit une coloration jaune tendant vers le rouge. On voit ces fleurs-là, hein, à l'extrémité des rameaux. Sortant aussi, on peut dire, hein, à l'aisselle des feuilles, hein, des jeunes feuilles qui sont en bout de rameaux. On veut donner les dimensions des parties, disons, accessibles à nos moyens de mesure, hein, de la fleur. On peut voir là, d'abord, la fleur a une coloration. Vous voyez, jaune, hein, on devine à peu près les éléments de sépales et de pétales,
Donc ce qui sort là un peu en extrémité de trompette, ce sont les éléments les éléments de pétales, hein. Et quand on regarde les bouts d'une coloration violette foncée, on peut regarder que 1, 2, 3, 4, 5. Et donc il y a 5 éléments de pétales. Donc les éléments de sépales ne sont pas directement visibles là, c'est tout petit là en bas, mais on peut admettre qu'il y en a 5 aussi, hein. Et à l'intérieur, donc, on a les organes de reproduction de la fleur. Donc avec le développement, cette fleur va être fécondée et va donner des fruits qui sont, on va voir un peu à la base ici, hein, bon, alors, des fruits qui sont sous forme de capsules ovoïdes, telles qu'on peut le voir ici, hein, verdâtre quand c'est encore relativement jeune. Donc voilà, on voit les capsules là, qui se présentent avec des sortes. Donc il y a une boule, disons sphérique, assez groupée, hein, il y en a plusieurs. Ce qui témoigne du fait que la fleur elle-même était groupée. Hein, et donc, oui, on voit encore les restes de fleurs ici. C'est vraiment un groupe qui peut atteindre une dizaine, une quinzaine. Et donc, quand c'est fécondé, ça donne ces espèces de capsules, disons, on va dire, c'est pas sphérique tout à fait, c'est ovoïde plutôt. Capsule ovoïde avec la base un peu plus élargie que le haut. Alors, ces capsules ovoïdes qu'on voit ici, avec des piquants, hein, sur toute la surface, vont tourner à une coloration marron, marron foncé, à maturité, là, voilà. Et en ce moment, ce qu'on a vu comme élément de piquant à la surface, ça va réellement devenir comme des épines, hein. Vraiment, quand c'est très sec, eh bien, ça va avoir tendance à accrocher aux vêtements, aux pantalons, lorsque vous passez dans le champ. On peut donner les dimensions de la capsule, des capsules, disons, immatures, hein. Alors là, qu'est-ce que je mesure? Disons, un diamètre à peu près de 5 mm, hein. Et même quand c'est à maturité, eh bien, c'est de l'ordre de 4 à 5 mm quand même. 4 à 5 mm. Et donc, ce que nous venons de donner comme description devrait servir à reconnaître cette plante. Maintenant, nous allons donner quelques noms locaux. Au Bénin, par exemple, en fond, on va dire Djatoum ou bien Dekpodé. Alors, il y a un nom en fond qui est un peu plus long, qui est Younoussoum Souma. En Yoruba, là-bas, ils vont dire Gadja. Ou en Côte d'Ivoire, en Baoulé, ils vont dire Aokoa. Aokoa. En hébreu, Kneknebia, Kneknebia. Et en Guinée, en Poula, en Peul, ils vont dire Nédé. Et au Togo, en Ewé, ils vont dire Gbabi, bien Gbagbo. Voilà. Donc, ça, c'est juste quelques noms que nous avons pu tirer de la littérature pour cette merveilleuse petite plante qu'est donc Triomphetta rhomboidée. Et nous allons donner, comme à l'accoutumée, hein, une série. Une liste de mots que les phytothérapeutes vont combattre en utilisant toute ou partie de cette merveilleuse petite plante que nous avons tout intérêt à reconnaître dans notre environnement et à aider à sa préservation.